sang, et qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien du tout. Je suis censé être ici à cette heure-ci, donc je suis ici. T'es sale et tu pisses le sang. Non, je suis ici pour le dîner. Tu as des écorcheurs sur toute la tête. Et en plus, tu pues la chiasse. Dale, raconte-moi tout de suite. J'étais dans la forêt. Dans la forêt? Ouais, ça a l'air bizarre. C'est bizarre, mais j'étais dans la forêt. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la forêt? J'observe les oiseaux. Quoi? En fait, c'est pas ça du tout. Écoutez, je vais être franc avec vous. J'ai été témoin d'un meurtre. Ouais, j'ai vu quelqu'un faire la peau à un autre. Et je crois qu'ils m'ont suivi après ça. Et il y a de grandes chances qu'ils soient allés dans mon appartement où Angie a tout un tas de trucs à elle. Il y a l'annuaire de son école, ses bulletins de notes, son numéro est écrit, il est collé sur mon frigo. Donc ils pourraient trouver cette maison et ils pourraient venir ici. Nous devrions appeler la police sur le champ. On peut pas appeler la police, non. La police c'est eux les meurtriers. C'est on ça qui fait la police, un c'est point. Eux les meurtriers. Mais c'est eux les meurtriers, Angie, non. Je te préviens, ou tu fais quelque chose ou je te jure que je le. C'est n'importe quoi. Non, il faut pas qu'il je le. Non, je veux pas qu'il je le. Écoutez, bon allez, il faut qu'on dégage ficelle d'ici, on y va. Allez, faut vite qu'on lance l'évacuation préventive de la maison, allez. Toi, t'es défoncé. Quoi? Non, je suis pas défoncé. T'es décalqué, putain de bordel. Non, je suis pas décalqué. Allez, on se casse. On ne va nulle part. Je vais revenir dans une minute et tu sais avec quoi je vais revenir? Non, je vais revenir avec un fusil. Voudrais mieux que tu sois loin, Robert. Petit enculé, je plaisante pas. Oh. Votre fusil? Son fusil? Mais pourquoi vous avez... Mais laissez ce fusil, mais pourquoi cette possession d'armes? Non, il faut qu'on sorte tout le monde. Allez, c'est moi qui ouvre la marche. C'est trop excitant. Bon, ok, c'est là que vous êtes garé. Alors on y va, allez, en avant. Qui en a après toi? Qui en a après Angie? C'est des dealers, j'ai des raisons de penser que c'est des trafiquants de drogue. Non mais sérieusement, de quoi est-ce que tu parles? T'as perdu la tête? Mais je sais que ça a l'air... Ah! Dale, cours, ça y est, ils sont dehors. Mangez mon goûter. Ah! Pourquoi t'as fait ça? Enlève-vous ça! Allez, arrête de bouger! Angie, qu'est-ce que t'as fait? C'est un des trafiquants de drogue! Oui, c'est mon trafiquant à moi! C'est ton trafiquant de drogue? Ah, une piqûre! Ça va aller? Dave, c'est qui ça? C'est mon putain! Papa! C'était quoi? C'était un coup de feu. Je suis le gentil. Ça suffit. Je vous jure que je suis le gentil trafiquant de drogue. Papa, pose ce fusil tout de suite. Posez vite ce fusil. Les ducons, vous allez faire exactement ce que je vous dis ou je vous jette dehors et je vous nique sur le trottoir. Non, faites pas ça surtout. Faut nous niquer nulle part. Y'a quelqu'un? Putain de jeu de cache-cache. Tiens. Eh, la bouffe est encore chaude. C'est le pied, ça. Mange-toi, Saul, mange-toi. Ouais, on est parti. On a réussi, on est sauvés. Qu'est-ce que vous foutez? Virez vos culs de ma voiture. Vous imaginez quand même pas que vous allez vous incruster. Ok. Non, c'est pas idiot, on bouge. Allez, toi, t'approches plus de ma famille, fini. Mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, au Days Inn en centre-ville, ok? Sous un faux nom, bien sûr. Garage Style, je t'appellerai. Écoutez, j'ignore qui sont ces gens, j'ignore de quoi ils sont capables, mais je vous couvre quoi qu'il arrive, je vous promets que je vous protégerai. Va te faire foutre, loser. J'y vais. Angie, t'es qu'une pauvre conne, je te le dis avec amour. Écoute ça, on a triangulé leur téléphone, ils en ont explosé un. Ils ont jeté l'autre dans la forêt histoire de faire diversion. Il a fallu une heure à Jared pour le retrouver. Ensuite, il a dit qu'il a trouvé la voiture de Denton avec le coffre rempli de tenues étranges. Une perruque poudrée, un sombrero, des justes au corps. Je me demande ce que cette merde peut bien cacher, tu vois. On n'a qu'à appeler les Asiatiques et discuter avec Chang. Pourquoi on tourne autour du pot? C'est vrai, quoi.